Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série destinée aux débutants en programmation et à l'apprentissage de Blueprint sur Unreal Engine 5. Dans le précédent épisode, nous avions parlé des conditions qui sont un type de structure conditionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type de structure conditionnelle, à savoir les boucles. Donc en programmation, les boucles sont des instructions qui permettent de répéter une action ou un ensemble d'actions plusieurs fois en fonction d'une condition spécifique. Les boucles sont particulièrement utiles lorsque l'on doit exécuter une même série d'instructions de manière répétée, car cela permet de simplifier et de réduire la quantité de code nécessaire. Il existe plusieurs types de boucles en programmation, mais les plus courantes sont la boucle for et la boucle while. La boucle for, elle permet de répéter une série d'instructions un nombre fixe de fois, en fonction d'une valeur de compteur spécifique. Tandis que la boucle while répète une série d'instructions tant qu'une condition spécifique est vraie. Lorsque vous utilisez une boucle, il est important de faire attention à la condition qui est spécifiée, car si elle est mal configurée, la boucle pourrait se répéter indéfiniment ou pas du tout. Les boucles sont souvent utilisées pour traiter des données en série, telles que des tableaux par exemple, en permettant de parcourir chaque élément de la série et de les traiter de manière cohérente. En somme, les boucles sont un élément fondamental de la programmation qui permettent de répéter des actions ou des séries d'instructions de manière efficace et efficiente. Elles permettent de réduire la quantité de code nécessaire, d'améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code, et de traiter facilement des données en série. On se retrouve donc sur Unreal Engine. Nous allons commencer par la boucle while, qui veut dire « tant que ». Si vous avez compris le principe des conditions, la boucle while ne va vous poser aucun problème. En effet, avec while loop, votre programme va tester une égalité entre une variable et une autre. Et tant que cette condition est vraie, alors on reste dans la boucle. L'exemple le plus simple est de faire un compteur. Donc je vais tout d'abord vous présenter ce fameux node, le while loop. Je viens faire ici un clic droit sur mon event graph. Alors je suis toujours ici dans mon level blueprint de ma map sortPersonMap. Je viens faire un clic droit, je vais taper while loop. Et ici, dans la catégorie Flow Control, je viens chercher While Loop. On a ici la première boucle possible sur Unreal Engine. Donc, vous pouvez voir que c'est très similaire au branch. Si je viens récupérer un branch ici, je reste appuyé sur B ou je viens ici taper branch comme ceci. On peut voir que c'est assez similaire. Sauf qu'ici, là, ici, on a le Loop Body et le Completed. Le Loop Body, c'est tout ce qui va se passer dans la boucle. Et le Completed, c'est une fois que la boucle sera terminée. Donc, je vais vous présenter le système le plus simple, c'est-à-dire un compteur. Nous allons incrémenter une valeur, etc., etc. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, on commence avec l'event BeginPlay pour commencer. Donc, l'event BeginPlay qui va se passer, comme vous l'avez vu précédemment dans les autres épisodes, au départ de notre scène. Je viens ici tirer un trait ici au while loop. Je peux venir ici, en appuyant sur ma touche Q de mon clavier, venir faire en sorte que le trait soit complètement droit ici. On peut voir d'ailleurs ici qu'on a une condition, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui sera notre compteur. Je viens ici dans la catégorie variable, le petit plus, et je viens taper compteur. Nous on veut que ce soit un type integer, donc je vais prendre directement integer. Je vous rappelle, ce sont des nombres entiers. Hop, je compile pour pouvoir choisir sa valeur, et ben on va la laisser à 0, donc je n'ai rien à changer. Et je vais tout simplement venir la glisser dans mon event graph. Je viens ici la lâcher, je vais faire un get ou alors je reste appuyé sur CTRL et je fais un get pour récupérer sa valeur. Notre condition, ça va être quoi? Ça va être tant que notre boucle elle est inférieure à 10, eh bien on va exécuter tout ce qu'il y a ici. Donc on l'a vu précédemment dans les autres épisodes, je vais tout simplement chercher less comme ceci et on va mettre 10 directement manuellement. Je pourrais très bien mettre une autre variable ici. Hop, je viens tirer un trait dans ma condition comme ceci et là on a déjà terminé pour le début. Donc, tant que ma variable est inférieure à 10, donc ma variable compteur est inférieure à 10, tout ce qui va être ici va être exécuté. Et une fois que ce sera supérieur à 10, eh bien, ce sera ici dans Completed. Donc, ici dans le loop body, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement vouloir incrémenter ma valeur compteur. Donc, je vais chercher ma variable compteur ici, je fais un get encore une fois, comme ceci, CTRL. Je vais ajouter ici, en mettant un petit plus, add, comme ceci. Et je vais ajouter la valeur 1 pour l'incrémenter de 1 en 1. Donc là, bah, c'est pas totalement terminé parce que nous, on veut définir la nouvelle variable de compteur. Donc je viens, comme d'habitude, je tire ici. Et là, au lieu de faire CTRL, je fais ALT. Et je viens relier tout simplement comme ça. Et je vais définir ma nouvelle variable compteur, comme ceci. Ok, jusque là, ça fonctionne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la valeur dans un print string, comme d'habitude. Donc vous connaissez cette fonction, je n'ai plus besoin de la présenter. Je viens chercher ici le print string, comme ceci. Et simplement, je vais faire la conversion de integer au string comme ceci, et là j'ai mon node de conversion qui est effectué comme ceci. Je viens m'organiser un petit peu comme ça, je compile, je sauvegarde. On a terminé la partie loop body. Donc
quel est l'intérêt en fait d'augmenter la valeur? Ben, en fait, on est un peu obligé de le faire. Si je faisais pas ça, si ma variable compteur elle était toujours égale à 0, et ben on aurait une boucle infinie. Et nous, en programmation et en informatique, on ne veut pas de boucle infinie, c'est notre pire ennemi. Et maintenant, une fois que la boucle est terminée, on va afficher simplement un message comme d'habitude. Vous connaissez la fonction. Je viens tirer ici de completed et je prends comme d'habitude notre fameux print string. Et là, je vais marquer la boucle est terminée. Je peux compiler, sauvegarder. Et là, on a terminé notre premier système de compteur en utilisant la boucle while loop. Donc je répète comment ça fonctionne. Au départ de notre scène, l'event begin place met en marche. On a le while loop, donc qui veut dire tant que. Tant que ma variable de compteur est inférieure à 10, on va exécuter tout ce qu'il y a ici. Une fois qu'elle sera supérieure à 10, eh bien on aura tout simplement la boucle est terminée. Dans notre boucle, on va incrémenter notre compteur à chaque fois de 1 en plus, donc ça va s'exécuter très rapidement, et on l'affiche à l'écran. On va venir directement tester ce que ça donne en jeu. Je lance mon jeu, et on peut voir, 1, 2, 3, 4, 5, alors bien évidemment, oui c'est un petit peu vite, ce que je vais faire c'est que je vais comme d'habitude augmenter le duration, on va mettre ça à 10 secondes, comme ça on aura le temps de bien lire ce qui se passe. Je vais faire ça ici aussi, comme ceci, hop, je compile, je sauvegarde, et je vais tester. Hop, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la boucle est terminée. Donc voilà, on a tout simplement passé ici, donc je vais quitter, on est passé de là à là. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que ça a été exécuté 10 fois, et bien si c'est supérieur à 10, la boucle est terminée. Nous allons maintenant passer au deuxième type de boucle que je souhaite vous présenter dans cette vidéo, qui est la boucle for, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais venir tout simplement supprimer mon système ici, j'en ai plus besoin, et je vais venir chercher tout simplement, en faisant un clic droit sur mon event graph, je vais chercher for loop. Alors, mon clavier, voilà, for loop, et je viens chercher ici dans mon flow control, for loop ici. On peut voir qu'on a ici un for loop with break, alors ça c'est un autre type de flow control de boucle. Ici moi dans cette vidéo je vais vous en présenter que deux, hein, mais bien évidemment il y en a d'autres. Donc ici le for loop, on va voir comment ça fonctionne. Donc une fois que vous êtes allé chercher ce node, on peut voir qu'il y a deux paramètres ici à configurer contrairement au while loop pardon, qui était avec une condition. On a le first index et le last index. First index c'est quoi? C'est la valeur de départ de la boucle. Le last index, comme son nom l'indique en anglais, c'est la valeur qui met fin à la boucle. Donc vous vous rappelez de notre variable compteur, on lui avait attribué une valeur ici à 0, tout simplement, c'est la valeur par défaut, et on avait précisé avec une condition, avec la boucle while, tant que ce n'était pas nécessaire. Donc vous vous rappelez ici de la variable compteur, on avait mis comme valeur par défaut 0, c'est ce que nous lui avons attribué, et on avait précisé une condition avec la boucle while. Ici avec le for loop, ce n'est pas nécessaire, en effet la déclaration de variable, elle se fait directement dans la fonction, donc ici. En programmation, il y a souvent plusieurs façons de parvenir à un même résultat. Donc on n'est pas obligé de faire exactement la même chose pour faire le même système. Ici je vais vous montrer qu'on peut faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec le for loop. C'est simplement la manière de procéder qui va être différente, mais on aura le même résultat. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça tout de suite. Donc comme tout à l'heure, je pars tout simplement de mon event begin play jusqu'au for loop ici, et on vient tirer un trait. Ici, nous, on va partir directement de 0, donc je ne vais pas changer le first index. Et ici, mon last index, je vais le mettre à 10 pour vous montrer. Donc je pars de 0 à 10. Donc ici le loop body, bah, tout simplement c'est ce qui va s'exécuter pareil de 0 à 10. Donc là ici je vais tirer tout simplement un print string, vous allez voir pourquoi, comme ceci. Et je viens tout simplement faire la conversion entre les deux. Donc là qu'est-ce qui se passe? On affiche la valeur de l'index à chaque boucle, tout simplement. Donc je vais mettre ça ici. Et ici, une fois que c'est terminé, eh bien tout simplement on va afficher un autre print string comme ceci. Et tout simplement, on va écrire là, la boucle est terminée. Et bien là, notre système est déjà terminé. Vous voyez qu'on a un peu moins de code que tout à l'heure, mais le système va fonctionner, vous allez voir. Je vais compiler, je vais sauvegarder. Comme tout à l'heure, j'oublie pas, c'est de mettre ça, je vais mettre à 10 hein, pour qu'on ait le temps de lire ce qui se passe. Je vais le mettre là aussi, également, pour le texte final. Compléter, sauvegarder, enfin compiler, pardon. Et je vais tester en jeu. On voit qu'on a de 0 à 10. La boucle est terminée. On a fait exactement la même chose que tout à l'heure. Et simplement avec si peu de code. Là en fait c'est ici tout simplement, on va forcément passer de 0 à 10. On pourrait bien évidemment mettre des variables ici. Alors vous allez remarquer si vous avez regardé un petit peu qu'il y a une petite différence quand même. C'est qu'en fait la différence entre le for et le loop, c'est que là notre compteur affiche tout simplement la première valeur qui est 0.
Par contre, le while n'affiche pas la première valeur. Donc pour avoir exactement la même chose, il faudrait que le first index ici soit écrit à 1, comme ceci. Je vais compiler et sauvegarder, et on va tester ce que ça donne en jeu. Et on peut voir qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, comme tout à l'heure. Et oui, tout à l'heure, on n'avait pas le 0. Et en fait, ici, le for loop, lui, il démarre de base à 0. Et le while ne l'affiche pas, tout simplement. Maintenant qu'on a vu les deux types principaux de boucles dans Unreal Engine, je vais vous proposer un petit TP. Et oui, comme à l'école, comme dans le dernier épisode, vous n'y allez pas y échapper. Donc c'est parti, nous avons 4 consignes cette fois-ci. Donc la première étape, c'est d'afficher à l'écran tous les nombres de 0 à 12. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on multiplie chaque nombre obtenu précédemment par 2. Donc ça va donner 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. etc. Si le résultat vaut 6, alors affiché, tu es tombé sur la moitié, entre parenthèses 6. Et enfin, on affiche boucle terminée une fois que tout le système est terminé. Donc, vous allez peut-être galérer un petit peu, mais ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, l'objectif pour vous, là, c'est vraiment d'essayer. Et si vous n'y arrivez pas, pas de problème, je vous montre la correction tout de suite. N'hésitez pas à mettre pause dès à présent pour essayer de votre côté. Et je vous retrouve directement après pour la correction. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi du premier coup ou pas, et si vous avez eu des difficultés. C'est parti. Donc on est parti pour la correction. Alors sachez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais il y a plusieurs manières de procéder en programmation. Vous n'avez peut-être pas fait comme moi, mais tant que votre système fonctionne, c'est déjà très très bien. Mon système n'est peut-être pas le plus optimisé, mais il fonctionne. Donc moi je vais vous montrer comment je me suis organisé pour faire ça. Premièrement, on veut afficher tous les nombres de 0 à 12. C'est pour ça ici que je viens chercher tout simplement mon node for loop, ici, de flow control. J'aurais pu utiliser un while hein, également. Donc ici, on part de 0 et on veut aller juste qu'à 12, tout simplement. Ici, nous, on veut l'afficher, donc comme tout à l'heure, print string tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. On fait la conversion entre les deux et là, déjà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si je viens tester, bah on affiche de 0 à 12 à mon écran. On a respecté la première consigne. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est multiplier chaque nombre précédemment obtenu par 2. Comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, je vais venir ici dans Completed chercher un autre for loop, comme ceci. Hop, je viens chercher exactement le même node. Bon, j'aurais très bien pu faire un copier-coller hein, en faisant un sélectionné CTRL-D, comme ceci. Je viens tirer un trait depuis le Completed, comme ceci. Et ensuite, je viens mettre ici, pareil, 0 à 12, tout simplement. Là, il n'y a pas besoin de changer. On va garder 0 à 12 et nous, on va les multiplier par 2. Donc, je viens tirer ici, depuis l'index. Je prends la petite étoile, j'écris multiply. Et nous, on veut multiplier par 2, tout simplement. Ensuite, on va mettre un branch, une condition, comme ceci. Je viens tirer un trait pour faire ma condition. Donc, on a vu comment ça fonctionne, les conditions. Donc, nous, on veut que dès lors qu'on tombe sur 6, eh bien, tout simplement, on veut dire, bah, écoute, tu es tombé sur la moitié. Donc, on va vérifier que ça, c'est l'index, il tombe à 6. Donc, on vérifie que c'est égal, donc en mettant égal, égal ou equal, comme ceci. On vérifie que le résultat de ça est égal, égal à 6. Est égal à 6, tout simplement. Je viens tirer un trait comme ceci. Donc là, on va vérifier si on tombe sur 6. Et si c'est le cas, ici, donc c'est vrai, on va tout simplement venir afficher un print string. Donc en fait, ici, on passera jamais à false, forcément, parce qu'on va forcément tomber sur 6, vu qu'on va multiplier à un moment donné 3, et 3 fois 2, ça fait 6, tout simplement. Donc ici, je vais venir marquer, bah écoute, tu es tombé sur la moitié, entre parenthèses 6, comme ceci. Je peux compiler, je sauvegarde. Et enfin, on a une dernière étape, c'est de marquer la boucle est terminée. Bah, c'est simple, je viens ici dans mon deuxième for loop, completed, un print string comme ceci tout simplement. Et on va venir écrire la boucle est terminée. On va tester ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais augmenter le duration. Cette fois-ci, je vais mettre à 5. Bon, là, c'était pas obligatoire, mais moi, je vous dis, hein, c'est juste pour avoir le temps de lire ce qui se passe. 5 comme ceci, je referme, hop, je compile, je sauvegarde et on va tester notre système. Hop, je me connecte, 0 à 12 d'afficher, tu es tombé sur la moitié, la boucle est terminée, tout simplement. Donc voilà, notre système est déjà terminé, j'espère que vous avez réussi ce petit travaux pratique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, cette vidéo sur les boucles est terminée. Dans le prochain épisode, on attaque enfin les classes Blueprint, vous allez voir qu'on va rentrer dans le vif du sujet et faire des choses très intéressantes, on va avoir des petits cas concrets et vous allez apprendre à utiliser
ces fameuses classes, et donc on va enfin quitter le level blueprint. Mais je vous rappelle qu'il est très utile dans certaines situations, il ne faut pas le négliger. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la série, et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut.